sol s'est dérobé sous nos pas. Le sentiment qu'on entre dans un temps d'obscurité infini et qu'on se pose les uns et les autres la question de comment on va pouvoir pas trouver de l'apaisement, parce que je trouve qu'on n'en trouve pas dans les temps à venir, mais comment, et c'est mon souci premier personnellement, comment est-ce qu'on fait pour rester pleinement humain? Ça peut paraître grandiloquent ou pour certains un peu niais, ce que je suis en train de dire. C'est vrai que j'ai beaucoup ces dernières années réfléchi au conflit israélo-arabe, essayé de m'investir et quand j'habitais au Proche-Orient et par la suite ici, et m'engager dans le dialogue et me dire, peut-être avec un esprit assez optimiste que j'ai toujours été, que